Yop les potes, vous allez bien quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui est un grand jour parce que je me rends au tournoi du Five Club de Amine. Ça va être lourd, mais comme le youtubeur que je suis, vous vous doutez bien, je reçois beaucoup de colis. Et même le dimanche, j'ai envie de te dire. Ce colis est un cadeau. Oui, oui, je sais, je suis privilégié. De nos amis de chez Légion Lenovo. Vous savez que c'est un partenaire qui me suit depuis très longtemps maintenant. Et ils m'ont envoyé un joli truc. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Non, en vrai, je sais ce qu'il y a dedans. L'enfant dedans, c'est un bête de PC portable, mais je crois qu'ils ont préparé quelques petites surprises, donc je vais l'ouvrir en intro de cette vidéo et après on pourra continuer gentiment. Mais quand je vois rien que ça déjà de base, ça a l'air de sentir bon. Donc voici un PC portable, c'est le Légion 5 Pro. Ils ont pensé à plein de petits détails dans la boîte, très très cool, d'accord. Vraiment rien qu'un truc qui m'a fait kiffer, c'est de retrouver mon logo sur sur l'arrière du PC portable, ainsi que dans la boîte même. Ils l'ont gravé. Alors oui, c'est l'ancien, maintenant ma chaîne s'appelle Zach, mais ça reste quand même stylé de voir ce dernier. Je l'ai vu sur des manettes, je l'ai eu dans mon décor là comme ça de stream. Je le retrouve également ici. Et voilà la jolie bête. Bon, apparemment il n'y a pas que ça, hein. Je vois qu'il y a également un petit casque et une petite plaque bien stylée avec. Cher Zach, on espère que tu as passé de bonnes vacances. Nous souhaitons que tu te sentes à ton meilleur en jeu. C'est pourquoi nous avons personnalisé pour toi l'un des derniers nés de notre gamme, le Légion 5 Pro AMD, accompagné du casque sans fil. Quel plaisir! Vraiment un joli message, merci à vous les nouveaux. Et là, je vais vous montrer la bête. Alors c'est vraiment un très joli PC, j'en suis très fier. Avec quelques caractéristiques techniques, tu connais, un petit écran QHD 165 Hz, le truc va vraiment à donf. Un petit AMD Ryzen 7, donc au moins t'es sûr que niveau processeur ça envoie. Et enfin carte graphique, comme ça au moins tu vois je peux le ramener sur tous mes déplacements, faire du montage ou du gaming, voire même streamer avec. Un petit Nvidia 3070. Alors vu comment c'est galère de choper des cartes graphiques à l'heure actuelle, autant te dire que je suis bien content d'avoir une aussi belle bête. Alors évidemment, je me permets de vous le dire, hein, il y a un joli code de réduction, je vous mets le lien dans la description de ce produit, avec un code réduction ZACHNANI 20%. Pas 5, pas 10, pas 15, 20%, tu divises un cinquième du prix et ça c'est forcément bien. Alors peut-être qu'il sera pas directement lui en stock tout de suite parce que je sais qu'il est très demandé, mais vous pouvez aller checker les autres produits de la gamme Légion et vous avez quand même mon code ZACHNANI qui fonctionne. Donc je remercie les frérots de Légion, merci à vous de me permettre de pouvoir bouger toutes les semaines à Paris pour faire mes émissions dans les meilleures conditions. Et on se dit à la prochaine les amis, bye bye. Yannou Neymar JR avec son maté. On va gaguer, t'inquiète. Parce que regarde quand même, il s'est pas joué. Je vous explique. Il y a un tournoi de 5 organisé par Amine. Amine m'a dit fais ta compo d'équipe. J'ai dit Zach, Zouav, Brooks. Le reste c'est du bon Yass, du bon, ça rend l'ami. Yass c'est parce que c'est le pote. Yass c'est un bon ami à moi tu vois, mais Zach, goal, c'était sûr. On va essayer. Et moi comment le poteau est large, comment il remplit les cages. Il m'a dit que j'avais le dos de gardien. Il a le dos en V tu vois. Vas-y, moi je te dis, j'ai envie que ça se passe bien, mais je pense que ça va bien se passer, je suis confiant. Ouais. Moi, pour moi le plus important c'est les goals dans chaque équipe, parce qu'il y a des équipes qui ont des bons goals, ça va être dur de passer. Oh! Il y en a encore un petit peu. Vous commencez à vous gaver Kinder Bueno, ça veut dire. On gave les adversaires, ouais, je vous gave les adversaires. Il y a des Kinder. Il y a tout là-bas, frère. Il faut manger léger. Arrête, t'as pas. Moi, en fait, moi je pars du principe que. Les mecs, ils sont déjà en train de se gaver de Kinder Bueno, ça n'a pas commencé. Comme vous l'a expliqué Billy, on est ici pour un gros tournoi de 5. Et au-delà du tournoi de 5, on a des adversaires. Des adversaires que voici. Ça c'est les adversaires, ça. Ça, c'est la team Kakabox, ça. Ça, je viens scouter. Je viens voir c'est quoi. Je viens voir le niveau un peu. Tu joues, toi, tu joues au gardien? Ouais, moi, je suis au gardien, moi. T'es bon comment, gardien de 5? Je suis nul. C'est vrai? Ouais, je suis vraiment claqué. Non, je suis explosé au sol. T'as ramené tes gants? Oui. Voilà, c'est bon. C'est pas vrai. Toi, Game Kujo, j'ai pas confiance, toi. Attends. Il est excellent. Non, mais quand je dis j'ai pas confiance, c'est que je pense que t'es chaud. Il est sûr. Toi, Maxime, t'es comment? Regarde l'action, Zach. Vas-y, montre, on regarde l'action. Hop, vas-y, passe. Vas-y. Hop, la cheville.
Ouais, franchement, il y a un truc. Attends, attends, je vais aller voir Joël, moi. Si on gagne ce premier match, on affronte le gagnant entre l'équipe de Kamel et l'équipe de Joël. Joël ici présent. Ça, c'est noir, ça. Ouais, Joël. T'as pas mis les Air Max? Non, en fait, je voulais les mettre, mais les TN. Puis ils ont Adidas, ça a gentiment filé des sapes gratuitement. Tu me connais quand c'est gratuit dedans. Parce que j'ai vu ton tweet, demain c'est ma tenue. Alors le survêt, tu l'as? Ouais, mais ils ont par contre vouloir jouer avec des TN. Moi, t'es joli là. Ouais, on a essayé, on a essayé. Alors, t'es confiant, tu le sens comment? Ah, frère, ils ont ramené deux joueurs de nulle part, apparemment, qui sont chauds. Mais nous, on a un bon collectif, ça, ça peut le faire. Après, ça va vraiment vous rencontrer en demi-finale. Ouais, c'est ce que j'ai dit, genre. Et te fusiller. T'as envie de me fusiller, bâtard. Je veux cette rencontre. Internet doit voir ce match. On va essayer de te le donner. Mais hey, vous êtes déjà à votre 10e five d'entraînement, vous. Hein. Ça, c'est là, ça, c'est notre 3e. On a fait 3 fives. Ouais. Ça, c'est le 4e. Le match d'élite. Le match d'élite. Aïe, aïe, aïe. Donc, à côté de ça, il y a d'autres équipes. Il y a l'équipe de Chips et Noix, OTP, Tréton, etc., qui eux sont là-bas. Et après, il y a une autre équipe avec des rescapés. Et donc, en fait, c'est des joueurs qui sont. En gros, ils vont prendre deux joueurs de chaque équipe éliminée au premier tour. Et ils vont en faire une équipe qu'ils vont appeler les rescapés. Et qui affronteront, du coup, bah, une autre des équipes. Bref. Mathéo vous aura mis le calendrier et puis voilà. Et moi j'espère au moins qu'on ne sort pas au premier match parce que j'avoue j'ai fait 2 heures de train. Si j'ai fait 2 heures de train pour venir jouer un match, c'est chaud. J'ai fait du vélo, j'ai les jambes chaudes. Il y aura 50 000 viewers sûrement sur le stream, donc de quoi s'illustrer ou alors se taper la honte. Et donc, du coup je suis une condition physique pas trop ignoble pour répondre présent. J'espère répondre présent. Je vais m'échauffer. Stack, le... Vas-y. Attends, le grand Yass encore. Ça va Yass? Ouais ça va. Envoie, Maxime veut que je note la frappe. Vas-y envoie. Oh pas mal. J'ai cru qu'il allait envoyer de la merde mais pas mal. Yass encore à la frappe. Eh hey, monsieur, frappe croisée, gauche. Rien à dire. Envoie ça. Un peu décevant, je te cache pas. Grim, t'avais parlé tout à l'heure. Apparemment, dans notre équipe, on a un atout. Un atout qui est bon au football. Le voici. Apparemment, on a une personne qui a de la qualité footballistique. C'est la caméra. Moi, je filme, monsieur. Une dinguerie ou pas? Vas-y. Oh là là là. Non, tu peux y arriver. Non, je l'ai chauffé là, je vais préparer. C'est pas terrible ça. Allez, montre-nous, Yannou. Un tour du monde. Vas-y. Tranquille. Moi j'ai une technique que tu sais pas faire, Yannou. Regarde bien. Oh, pas mal. Attends, attends, moi je profite qu'on soit nous trois là pour dire un truc. Il y a monsieur juste à gauche qui a tweeté sur son compte privé un compte de contenu premium qu'il est allé en boîte jusqu'à 5h30 après nous avoir demandé d'être en forme. Je l'ai checké, j'ai dit ça le bâtard, t'es allé en boîte jusqu'à 6h. Non mais je suis en forme, je suis en sueur. Ça va, après ça va, en vrai j'ai pas perdu mes capacités, t'as vu les bastos que je fais là? Ouais c'est vrai que par contre t'envoies des bastos. Je suis rentré à 22h après ton tweet, j'ai dormi. C'est à dire qu'il a tweeté pour nous faire être en forme et lui il va en boîte hein. C'est du foutage de gueule. Il sait depuis un mois qu'il y a ce tournoi, il va jamais en boîte, il s'est dit bah tiens. La veille. La veille du tournoi. Bon, on a pas fait le truc. Ouais. Là on va ouvert, maintenant on ferme. Après tu peux taper. Vas-y, tu fermes. Ouais. L'échauffement. La team de méta-analyste. Hey, ils vont analyser le tournoi, ils vont faire des stats, des données, des trucs. Hey, ils seront déjà chez eux, ce sera trop tard. Après ils vont faire un plateau. Non mais je pense qu'ils vont essayer de bien gérer leur early. C'est ça que j'allais dire. Tu penses qu'ils vont bien gérer leur early? En late game ils sont foutus je pense. Apparemment ils ont le gardien la Viking qui fait 4 mètres de haut qui est chaud. Ouais. Il a une tête au-dessus de tout le monde. Comment tu peux être aussi grand, faire quasiment 2 mètres et être aussi sec? C'est pas possible. Ah moi je fais quasiment 2 mètres et je suis pas sec hein. Ouais mais frérot t'es... Mange bien. Toi t'as la bonne force. Il a dit que vous alliez avoir des stats et des analyses pointues. Ouais bon... Enfin on va timer les flashs, va pas avoir de problème. Enfin...
Combien de plateaux de débrief après? Combien de temps? Écoute, enfin la demi-heure hein, comme d'habitude, il va y avoir beaucoup de choses à débriefer, je pense. Et on parlera speed push. En vrai, vous pouvez créer la surprise, hein. Moi je pense que. Bah, au moins on a le truc d'underdog. C'est-à-dire que tout le monde s'attend à ce qu'on soit claqué. Donc ouais, si on perd, il voilà. Y a no shame. Par contre, si on pète une équipe, ouais. Derrière, on se fait. Et en vrai, le truc, c'est comme on joue les rescapés, genre. Par contre, ça va être que les plus gros influenceurs, c'est pas forcément les tout meilleurs, ils auront joué un match avant. Ouais. En vrai, notre position, elle est. Genre, c'est la meilleure, tu vois. Ils veulent tellement bien faire les choses qu'ils font faire des photos, des trucs comme ça aux équipes pour votre confort de vue. Par contre, il y a un truc qui est pas pour le confort de jeu, c'est les mecs qui ont quitté des burgers une heure avant. Je sais pas, gros. Il y a Noah par exemple. Noah, pourquoi t'as pris un burger? Oh le bâtard. C'est un bâtard, hein. Regarde ça là. Regarde ça. Là, je l'ai caché pour la photo. Attends. T'as pris un burger et en plus t'as pris une bière. Mais non, je rigole. C'est pas on dirait une bière. Oh, Yannou, la Heineken, c'est quoi ça? Je vais faire. Regarde-moi ça. Et tu vas manger ça avant de jouer dans une heure. S'il faut, on en mangera deux, mon frère. On va se mettre trop bien là. Ah, mais toi aussi. Bah oui, évidemment. Mais vous allez tous vomir. Moi, je suis un gourmand, moi. C'est vrai que là, j'aimerais bien voir une séance de tir au but. Surtout quand je vois le gardien en face, quand même Zach Nani. Si on pouvait me gratifier d'une séance de tir au but avec Zach dans les cages, ça me ferait kiffer. Et Zach Nani, qui a un goal fixe, il est gardien, ouais. Il a toujours été gardien. Ouais, et il est très à l'aise aux cages. Que penses-tu du crâne de Zach Nani? Bah là, il est très lisse. Il est passé se faire couper les cheveux juste après moi tout à l'heure. Le détail important. c'est ça qui fait gagner des tournois. Le crâne bien rasé. Donc là il a un crâne qui normalement c'est Barthes bis quoi en gros. 9 sur 10. 9 sur 10 parce que l'erreur est humaine, on peut pas forcément donner de l'indice sur 10. Ça va partir. Et le match commence. C'est parti Amine, le début de ce Five Club entre la Kaka Box et Kawhi Nick. Ça joue ballon entre lui et Brooks, ça fait des 1-2, Yas qui dé. Ouh là là, y'a pas. Attention, on a dit contact qui n'est pas autorisé. Peut-être. Je pensais que ça allait être vraiment côté Kawainé, mais. Bon, la team Kawainé qui cherche uniquement à tirer. Ouais, premier ballon là pour Zach Nani qui se met en confiance. Qui, ça fait toujours du bien pour un gardien de toucher un petit peu le ballon. Bah, et en fait, je pense qu'ils vont essayer de jouer avec des percées sur Chris, notamment parce que j'ai l'impression que c'est le seul. Oh qui... Et le but et voilà. Le but de Yas. 1-0 pour la team Kawainé. But de Yas encore. Un ballon perdu. Dans les 5 mètres et forcément directement puni par Yas. Attention, Zach Nani qui va récupérer le ballon. Pas de vraie alerte pour le moment sur le but de Zach. Ça joue au foot, ça se presse pas. Le tir de Yas. Yas qui compte scorer. Hein. Ouais, il le veut son trophée. Exactement, il veut le trophée. Oh là, la cœur avec l'erreur. Aïe. Même lui, il y croit pas. Il se dit, mais c'est vraiment marqué. La célébration incroyable. Incroyable. Chris qui doit être en train de serrer là. Avec le. Attention, attention, Yannou sur le côté. Yas. Ah non, Billy pas. Me dis pas qu'il a mis un doublé. Billy qui met un doublé. Me dis pas qu'il a mis un doublé. On est dans une dimension parallèle. C'est incroyable. Finalement, c'est récupéré par Yannou. Oh là 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 là, la passe entre les jambes. Intervention de Zach Nani. Yannou, j'aime jouer risqué, Kanto. Ouais, Yannou, ça se voit, c'est un mangeur de ballon. C'est pas fini, on sait jamais. Chris peut nous sortir un coup de génie. On a vu qu'il était dangereux. Et voilà. Oh, but, et voilà. Et voilà. Je l'ai annoncé. Voilà, une belle incroyable. Pointe. L'équipe de France lui tend les bras. C'est vrai. Zach Nani, le petit contrôle. Zach, le temps. Charisme. Il a 100% de passes réussies à l'heure actuelle. De belles stats, attention. Oh là 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 là. Voilà, c'est terminé, là, on peut le dire. Hein. 4 minutes 40 à jouer, 80 pour les Kawainé. C'est une équipe qui a un petit peu baissé les bras et j'ai l'impression que c'est le match sur lequel il faut s'appuyer pour aller marquer. Oh, beaucoup de buts encore. Et le voilà. Oh, c'est mérité, il fait un gros match, on le dit depuis tout à l'heure. Et c'est Zoav là qui lui a fait une belle passe décisive. Et Brock qui inscrit lui aussi son doublé, tout comme Billy. C'est la tête 2 qui se dégage dans cette équipe Kaka Box. Est-ce que le chat va choisir le niveau du joueur ou l'antichat? Coleman par exemple, Coleman il nous a gratifié d'une frappe splendide. Ça a été une des seules frappes d'ailleurs hein, de l'équipe Kaka Box qui ont fait. La frappe de Chris qui a vu pointu qui était très beau, mais malheureusement ils ont perdu. Bravo à la team Kawainé qui a été très carré. Franchement je suis surpris, je pensais pas qu'il serait aussi bon. Après au football les accolades. C'est le petit premier match gagné. Palmarès de Zach, une frappe, j'ai pris un but. Non. Déviation. Elle a été déviée. Elle a été déviée. Parce que j'ai pris Bastos. Hein. Bon en tout cas premier match gagné, je connais pas, j'avais perdu Traquenard. Mais le Chris là il était bouillant. Ouais, mais toi Yannou, tu tâtes la pelota toi. Défendre aujourd'hui, tu connais. On commence là, on va tranquille. Au début, j'ai eu un peu chaud contre parce que. Il tenait bien les courait, tout ça, le premier but, il a mis du temps à arriver.
Mais t'as un petit doublé toi au final, Billy. Ouais, mais doublé de Schlag, j'ai. Doublé quand même. Je les ai mis comme un petit lutin. Maintenant, il y a le deuxième match qui nous intéresse parce que c'est ce qu'on va jouer après. Non, voilà, non. Ouais, non, je pense que c'est plus dur arrive. Non, que... bonsoir, non. Si, parce que Kakabox est réglé et là, il y a un des deux monstres du tournoi, soit la K-Corp, soit BMS. Là, c'est un peu le final là. BMS, Carmine, c'est le final. Ouais, c'est le final, c'est le final. Donc, il y a un monstre en moins pour nous, c'est BMS. BMS, Carmine, PSG, on va les écraser. Vas-y, tu sais quoi, tu veux, tu voulais jouer qui entre l'un des deux là, comme ça, avant le match. BMS. Moi, j'aimerais bien que BMS gagne, mais. La K-Corp, ils ont une équipe. Ils ont deux joueurs que je vais éviter d'affronter. C'est qui? Tiki et Alonso. Eux, ils envoient. Ah ouais. On va attendre ce deuxième match. En attendant, première étape franchie. 100 000 viewers, j'ai vu, frère. Choquant. Joël Ocage. Eh Joël, s'il perd, il va avoir le démon, t'es allé fou. Joël, faut vraiment qu'il gagne, il va tout casser. Ah putain. Oh, là, c'est vrai que Joël, s'il perd, il va avoir le démon. Tu vois, depuis tout à l'heure, on rigole tous et tout, mais lui, il rigole pas depuis tout à l'heure. Je lui ai serré la main, il était comme ça. Oh Joël, allez frérot. Puisque attention, c'est récupéré, là voilà. Oh là là là. L'ouverture du score. L'ouverture du score. Pour la Kameto TV, effectivement. Et on le voit, on perd trop facilement le ballon. Oui, oui, là, ça perd trop vite à balayer. Oui. Ah, allez rentrer, le but de Tiki, doublé, je crois. Je pense que là, BMS va avoir un niveau nettement supérieur. Ouais, bah on va voir. Oh là là, le crochet. Attention, la frappe. Oh, le but. Et c'est contré. Oh là, c'est contré. Dehors. Ouais, attention avec Bibi, oh, le sort. Ouh là, est-ce qu'elle était pas dedans? Il est validé, alors ça fait 3 buts 1 pour... Validé, but, TV, okay. C'est l'arbitre. Ah, attention Joël, attention. Joël, tiens le but. L'arbitre. Oh là là, mais c'est quoi ce match de fou quand même. Réduction méga, tête de Joël, et on le voit, un bon capitaine qu'il est, il mais attendez, le ballon. Est-ce qu'on a un nouveau classico? Ah, là, est-ce que c'est peut-être un nouveau classico? Je sais pas. On va vous dire la vérité, on a raté parce que quand on était surpris, on vient de voir qu'il y avait 110 000 spectateurs. Ouais. Merci, c'est incroyable. Oh, oui, le but. On va pas rater. Oh là 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 là, celui-là ne l'a pas raté. Celui-là l'a pas raté, le débordement. C'est triplé. Oui, triplé, il est intenable. Chefs qui va tirer, attention, ouf, la frappe qui était déviée, Kamel qui était pas sur ses appuis, Chefs qui continue l'arrêt de Kamel, mais Kamel au cache, c'est incroyable. Oh, oh là là. Le sol a tremblé. Oh là le là sol là a tremblé. Messieurs, s'il vous plaît, on est au quatrième étage, ne cassez pas l'immeuble, monsieur Joël Posbad. Rien n'est fini, en 1 minute 30, je pense. Ouais, que... ça peut aller vite, mais il va falloir marquer très très rapidement du côté de la BMS, Amine. Oh là 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 là, elle est rentrée. Elle est rentrée, celle-là, et c'est marrant. Elle est rentrée. C'est terminé. Terminé, bravo à la KTV. Ouais, 5 buts à 2, Amine, on pensait avoir un match un petit peu plus serré. Terrain sa mère, hein. Ah ouais, t'es prêt, hein. Ah ouais, quand tu t'arrêtes de... Oh, la victoire. Oh, le marou. Bravo, 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 les mecs. Allez, Joël, la tentative de retourner, là. Tu voulais jouer quelqu'un. J'étais technique. T'as vu, mon petit bon. Gros, c'est monstrueux, ça s'est joué à rien. Joël, le retourner. De retourner, tu l'as tenté. Tu l'as tenté. T'as eu le petit pouce sur la fin. C'est dommage, t'es commencé au cage en vrai. On est parti pour cette première demi-finale entre Kao et Kameto. Kameto sur le champ, c'est Bibi dans les cages. Ça se bat avec. Ça tire, Marou. Ah non, Marou, ça passe à côté, c'est récupéré. Il a failli tromper son gardien. C'est la force technique, physique, frappe tout, on peut le voir. Voilà, la frappe. Alonso qui décale, qui va sûrement tirer. La talonnade. Oh là 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 là, l'action. Zach Nani. Mais oui, Zach. Oh là là, Zach Nani, l'intervention avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'autorité du côté du gardien de but. On arrive à faire la différence du côté d'Alonso. Oh, on a éliminé un joueur. Oh là là là, on essaye de décaler. Ça devient sa spéciale, hein. Le prochain talonnade comme ça. Oh là oh là 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 là. Allez, rentrez, c'est l'ouverture du score. Oh, le but, mais quel missile. Pour l'instant, la KTV est vraiment en train de... Oh là 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 là, le 2-0, c'est compliqué. On sent que physiquement, c'est dur. Hein. Avec Yas qui écarte sur le côté avec Lili. Attention, le contrôle du ballon. Oh, qui jongle. Oh. Oui, à montrer dans toutes les écoles de cirque. Tiki sur le côté avec Zongo, peut-être pour Côté qui est tout seul. On est la passe, côté. Il est seul et le but. Incroyable. Et 3-0. Incroyable, un mouvement collectif. Et le 3-0. Entendo, je vais. C'est bien. Aïe, aïe. Eh oui, ils auraient peut-être dû nous aligner les deux dès le début. Allez, Zach qui est venu sur le champ, il a enlevé les gardiens. Autant se faire plaisir, autant courir un peu, et voilà, là ça fait... Aïe, avec Kiki, mais... C'est... Oh là là, mais Yannou. Yannou. Oh là 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 là. C'est terrible, Yannou. Oh, vous l'a dit, Yannou, très 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 talentueux au football. Il nous met un top but, la célébration. Et c'est terminé. C'est terminé, bravo à la Kameto TV. Les Kawaïnés qui n'ont pas démérité, bravo à Yannou pour son très 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 beau but. Techniquement, c'était incroyable. Bibi qui regarde la caméra.
GG. Oh, on s'est régalé, hein. Il y avait beaucoup. On est sorti, ça y est. J'avoue, sortir 4-1, ça fait mal quand même un peu. Bon, franchement, on pouvait pas faire grand chose. Mais j'ai pris beaucoup de buts quand même. Déjà, on va dégommer le buffet, ça y est, on a perdu. Ça y est. Bon, c'est le moment du buffet. Ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci les gars. Merci mon Brox. Merci pour le plaisir. Merci mon Billy. Zach, merci d'avoir carry tous nos matchs, frérot. T'as été incroyable. Merci Zoa. Vous likez, vous commentez, mettez un petit pouce. Envoyez un like, on est bien. Et franchement, j'espère que ça vous a plu. Mathéo va vous faire suivre la fin du tournoi et nous, on va se la donner maintenant. Victoire des JL. Victoire des JL, 3 buts à 2 face à la Kameto TV. Vas-y. 2, 3, 4. Félicitations. Merci mon frère. Bravo les gars. C'est check. C'est rare qu'on gagne des trucs, c'est rare qu'on gagne des trucs. Voilà, on est content là.